Bonjour, aujourd'hui je vais lire la suite de mes résumés objectifs de vidéo. Vidéo numéro 116. Des paluches et des bouquins. Marion Sigaud de la Monarchie. Diffusée le 10 mai 2022, visionnée le 1er octobre 2022. Aujourd'hui, il y a la glorification des opposants à l'absolutisme royal, à l'école, au cours d'histoire, qui, selon Marion Sigaud, n'était pas joli joli. Louis XIV a interdit les procès en sorcellerie et l'évêché. Le roi ne peut pas faire beaucoup de choses, sinon il morcelle son royaume, ou il le donne à des bâtards. L'absolutisme veut dire quand le roi a décidé avec ses conseillers et avec ses connaissances et sa conscience et avec les agents qui sont dans le royaume et qui lui envoient des rapports. On n'a pas chassé les sorcières, on les a trouvées. La décision de Louis XIV a été violemment contestée par des lettres de supplication. Avant l'Inquisition, on a brûlé deux sorciers pour une sorcière. La réalité des provinces, c'est qu'elles envoyaient les dépêches chez le roi, puis ensuite celles-ci étaient envoyées au conseil des ministres et c'était discuté. Au début de l'année 1665, il y a eu l'affaire des poisons. Des informations venaient d'Auvergne, que la justice là-bas était très corrompue et oppressive. Après avoir longuement appris les rapports, le roi organisa les grands jours, qui étaient des magistrats triés sur le volet par le roi, et c'était parmi les juges les plus incorruptibles, donc des gens de confiance. C'est à l'époque une justice gratuite, et les grands jours ont été dans les campagnes et les villages, à qui il posait des questions à ses habitants, et ont tout purgé. Ce fut l'expression autoritaire de la justice royale, mais la région fut apaisée. Souvent la justice se retourne contre nous. Louis XV a été poussé à l'endettement avec les frères Paris. Les plus bourgeois ne veulent pas plus payer et alors c'est le peuple qui paye. C'est l'Inquisition qui avait brûlé des sorcières. Il y eut 10 000 morts de sorcières en France et 100 000 dans l'Europe. C'était atroce. Une communauté va calmer son angoisse et son incertitude en montrant des boucs émissaires. Ce sont les tribunaux laïcs qui condamnaient ces gens, car jamais l'Église n'est intervenue, même si elle a essayé de sauver des innocents des bûchers. Le chevalier Rose a débarrassé 2 000 cadavres de la peste de Marseille. Voltaire est un odieux personnage. Rien de ce qu'il dit n'est vrai. C'est un hypocrite et un misanthrope odieux. Il y avait un savant qui lui faisait de l'ombre, Maupertuis. Et Voltaire l'a même calomnié, même après sa mort. Voltaire disait: la religion, c'est comme cela que les paysans ne voleront pas mon pain et mon blé. Dans l'affaire Calas, Jean Calas avait été exécuté car il avait tué son fils, pas parce qu'il était protestant. Dans le traité de tolérance, il y avait des mensonges. Dans le nègre du Suriname, la mère avait vendu son fils aux maîtres blancs et les a remerciés. Dans les médias, il y a les plus gros canulars, car personne n'a lu les bouquins de Voltaire. L'ingénierie sociale, c'est qu'on fait passer d'admis pour ce qu'on ne connaît pas. Voltaire a été pilote de l'idéologie capitaliste qui a détruit la royauté. La royauté, ce sont des communautés qui se sont réorganisées les unes aux autres. Pour que la communauté soit la plus prospère, et le christianisme fut le ciment de l'organisation des paysans et des communautés de métiers. Il faut refabriquer du lien à la base et un chef émergera. Il faut produire local et acheter plus près et retourner à la terre. Les campagnes sont à réoccuper et il faut réapprendre la culture. Tout est et doit être victimisé dans le monde d'aujourd'hui. Ceux qui s'intéressent à la nature sont des bourgeois de Paris. Le productivisme a détruit la terre et la méditation dans la nature. L'être humain a besoin d'être avec la nature. Le capitalisme a mis les êtres humains dans des cubes de ciment qui mènent vers une aliénation. Il ne faut jamais prendre une décision dans un moment de désespoir, mais il faut attendre que cela se passe. Autre source, la vidéo. Interdiction par Louis XIV des procès en sorcellerie. Sabrina Dufourmont. Le Point. La chasse aux sorcières, publié le 31 janvier 2012 à 7h19.
Mise à jour le 31 janvier 2012 à 9h41. Lepoint.fr. Le pouvoir absolu. Universalisme.fr. Absolutisme. Universalisme.fr. Les intendants dans les provinces. Larousse. Intendant. Larousse.fr. L'affaire des poisons. Louvrelens.fr. Une affaire des poisons. Louvrelens.fr. Les grands jours. Jean-Marie Augustin, Les Grands Jours, une cour supérieure foraine sous l'Ancien Régime. Dans Histoire de la justice, 2011, barre 1, numéro 21, page 41 à 47, Kern.info. Les frères Paris. Isermag.fr. Les frères Paris, de Moirans à la cour de Versailles. Iresmag.fr. La peste de Marseille. Madeinmarseille.net, l'histoire de la peste de 1721 qui a décimé la moitié de la population marseillaise. Publié le 26 janvier 2018. Madeinmarseille.net, le nègre du Suriname. Exposition.bnf.fr, le nègre du Suriname. Exposition.bnf.fr, le chevalier rose. Madeinmarseille.net, l'épidémie de peste à Marseille. Diffusé le 9 mars 2018. Madeinmarseille.net. Les dépêches au temps de Louis XIV. Conseil du roi.fr. Conseil des dépêches. Conseil du roi.fr. Le conseil des ministres au temps de Louis XIV. Lucien Belli. Chapitre 19. Le gouvernement personnel de Louis XIV. Un tournant politique dans la France au XVIIe siècle. 2009. Page 551 à 575. Kern.info. Le savant Maupertuis. Monique Gros. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Un savant encore à découvrir, acte des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, année 2012, 134 à 8, non, 134-8, page 191 à 198. Percé.fr. Vidéo numéro 117, Infolibre 2, mini-live du 3 octobre. Diffusé le 3 octobre 2022. Visionné le 3 octobre 2022. Notre cœur doit nous guider, car il sait ce qui est bon pour lui. Une personne bloquée par le mental souffre et a été blessée. Et c'est pourquoi elle ne sait pas prendre de décision. Dans d'autres univers, il se passe des choses que l'on oublie, car c'est ici que l'on se souvient, et c'est pourquoi nous avons des connexions d'âme avec d'autres personnes directement. Selon Dimon de la JP Morgan, le Bitcoin est une escroquerie qui va imploser, en anticipation de ce qui va se passer. Le roi Charles III n'ira pas à la COP27 à cause du gouvernement. Google va financer une quarantaine de médias. Le cœur a une intelligence et une mémoire et une conscience. Autre source. JP Morgan, l'escroquerie. La tribune.fr, le Bitcoin est une escroquerie qui va imploser, estime Dimon, JP Morgan, publié le 13 septembre 2017 à 8h11. La tribune.fr, Charles III n'ira pas à la COP27. BFMTV.com, le roi Charles III n'ira pas à la COP27 en Égypte. En raison de l'opposition de Liz Truss, publié le 2 octobre 2022 à 9h38. BFMTV.com. Google et le financement des médias. Google et le financement des médias. 20minutes.fr. Google va financer une quarantaine de médias européens, dont 8 français. Publié le 29 septembre 2022 à midi 1. 20minutes.fr. Vidéo numéro 118. Document rare et inédit. Psychologie cosmique, hiérarchie, évolution de l'humanité. Diffusé le 2 octobre 2022. Visionné le 3 octobre 2022. C'est à nous de penser et d'agir pour le monde que nous voulons. Le film Yes Man parle de cette loi de dire oui à la vie, mais pas de dire oui à tout. Le film Yes Man. Peyton Reed, Yes Man, publié le 31 décembre 2008, Village Road, Show Pictures. Vidéo numéro 119. Sunrise, Canada, Québec, terre d'exil. Alexandre Cormier-Denis nous dit tout. Diffusé le 28 septembre 2022, visionné le 3 octobre 2022. L'hydroélectricité est importante pour le Québec, avec le climat. Le Québec, c'est la province avec la plus grande population du Canada.
60% de l'électricité du Canada vient de l'hydroélectricité. L'Alberta tire sa richesse du pétrole, notamment avec le pétrole de schiste, et il veut être à la tête du gouvernement central. Le Québec veut le plus de pouvoir car à l'ouest, il y a beaucoup d'hydrocarbures. Il y a un déterminisme géographique européen. Le Canada est bordé par les océans et pas par les extra-européens. En Europe, les constitutions sont de droite et la gauche veulent, et c'est seulement la gauche qui veut la changer. Au Canada, il y a la réforme de la Constitution de 1982 qui ajouta le multiculturalisme. Trudeau a augmenté de 250 000 à 450 000 les personnes immigrées qui viennent au Canada à l'initiative du siècle. Pour augmenter la population du Canada jusqu'à 100 millions d'habitants en 2100, le pays en compte actuellement aujourd'hui 38 millions d'habitants. La majorité des villes canadiennes seront non blanches d'ici 2050. Toronto est actuellement non blanche. Le Parti conservateur parle seulement du fiscal et veut enlever Justin Trudeau car il veut s'allier à l'homme au turban qui est un fondamentaliste. Brimer les gens au niveau de la religion, pour les Canadiens, c'est la laïcité au Québec, c'est le fascisme pour les Canadiens. Les immigrés parlent l'anglais au Québec, donc c'est problématique. Au début, c'était une immigration élitiste du tiers-monde aux USA. C'est là où l'immigration est la plus élitiste. Au Québec, les policiers faisaient le boulot, mais depuis Black Lives Matter, le Québec est dans une mauvaise tendance. Les communautés immigrantes restent entre elles au Canada, mais ne s'assimilent pas. Le Québec est un modèle assimilationniste français au niveau de la langue. Au Canada, il y a des tribunaux ethniques. Le voile sera porté à cause de la pression démographique. Au Québec, si la personne n'a pas la nationalité québécoise, elle sera condamnée puis expulsée. Au bout de 3 ans, on sait avoir la nationalité canadienne. Au Canada, c'est un libéralisme sociétal et une social-démocratie avec le remplacisme. Au Québec et au Canada, le plus facile, c'est de trouver un emploi. Les Québécois sont sympathiques d'approche, mais sont plus réservés. Il y a des lois moins liberticides, mais il y a un verrou médiatique. Il y a un sentiment anti-intellectualiste. Autre source, la vidéo. L'hydroélectricité. Connaissance des énergies.org et hydroélectricité. Connaissance des énergies.org. Le Québec. Wikipédia, Québec. Wikipédia.org. L'Alberta. Wikipédia, l'Alberta, wikipédia.org, le pétrole de schiste, Laurent Carroué, la révolution du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis, enjeux technologiques, territoriaux et géostratégiques, publié le 28 juin 2022, géoconfluence.ans-lyon.fr, la constitution de 1982 canadienne. Robert Sheppard, Rapatriement de la Constitution, publié le 3 septembre 2012, mise à jour le 21 juillet 2023, de Canadian Encyclopedia.ca. L'initiative du siècle. José Legault, 100 millions de Canadiens en 2100. L'initiative du siècle oblige la CAQ à bouger, publié le 11 mai 2023 à minuit, mise à jour le jeudi 11 mai 2023 à minuit. Journal de Montréal.com, immigrants anglophones au Québec. Canada.ca, profil des immigrants anglophones du Québec dont l'anglais est la langue maternelle. www.canada.ca, le mouvement Black Lives Matter. Justin Sullivan, le mouvement Black Lives Matter, mis à jour le 24 juin 2022 à 14h55. www.l'express.fr. La politique migratoire au Québec. Samuel Proulx, Tiret Chénard, politique d'immigration québécoise, publié le 7 février 2006, visionné le 15 juin 2022. The Canadian Encyclopedia.ca, obtenir la citoyenneté canadienne. SIC.GC.ca, est-ce que j'obtiens la citoyenneté canadienne lorsque j'épouse un Canadien ou une Canadienne? CIC.GC.ca.
Qu'est-ce que la social-démocratie? Perspective monde, social-démocratie. Perspective.usherbrook.ca. Vidéo numéro 120, Info Libre 2, mini-live du 4 octobre, diffusé le 4 octobre 2022, visionné le 4 octobre 2022. Durant les élections au Brésil, Bolsonaro était en tête à trois quarts des élections, puis tout d'un coup Lula passa en tête. Avant les élections, Bolsonaro avait prévenu de la fraude et ils ont trouvé tous les éléments qui prouvent qu'il y a eu des fraudes. Le CAC 40 est en baisse de plus de 1%. La banque Crédit Suisse est en crainte de défaut de paiement. Pascal Paissiot va aller 16 ans en prison à cause de la pédocriminalité. Le bureau d'Ursula von der Leyen a été perquisitionné. Pourtant, cela n'est jamais arrivé auparavant. Le secrétaire général de l'Élysée est condamné car il y a eu prise illégale d'intérêt. Il y a eu la destruction de doses de vaccins car le narratif ne fonctionne plus. Autre source, fraude électorale au Brésil. Brianna Jane, Brésil, Jair Bolsonaro, en tête aux trois quarts du dépouillement, puis soudainement dégringolade. Vidéo, publiée le 4 octobre 2022. Profidecatholica.com. Le CAC 40 en baisse. John Wilberg. Le CAC 40 en baisse de plus de 1%. Crédit Suisse plonge face aux craintes de défaut. Publié le 3 octobre 2022 à 12h03. Investir.leséchos.fr. La chute de Crédit Suisse. Le Matin.ch. Crédit Suisse. Une dégringolade à deux chiffres. Le Matin.ch. Condamnation de Pascal Paissiot pour pédocriminalité. La rédaction. Le Cap d'Agde. Le libertin Pascal Paissiot purgera 16 ans de prison pour acte de pédophilie. Publié le 27 septembre 2022 à 15h16, 15h10. Herold. Tribune.com. Perquisition dans les bureaux d'Ursula von der Leyen. Le Figaro, poudre suspecte à la Commission européenne, à l'étage d'Ursula von der Leyen. Publié le 30 septembre 2022 à 15h34. Mise à jour le 30 septembre 2022 à 15h38. Le Figaro.fr, le secrétaire général de l'Élysée condamne. Actu 17, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Publié le 3 octobre 2022 à 17h04. Actu17.fr. Destruction de doses de vaccins. Valentin Eckirch. Covid-19. La France va-t-elle devoir détruire ses 30 millions de doses de vaccins? Publié le 1er octobre 2022 à 8h. Mise à jour le 3 octobre 2022 à 16h06. L'Express.fr. Vidéo numéro 121, VA+, effondrement énergétique, tension, la guérilla c'est maintenant, le dernier livre d'Oberton, diffusé le 30 septembre 2022, visionné le 4 octobre 2022. Laurent Oberton est un ancien journaliste. Le livre que Laurent Oberton a écrit s'appelle Guérilla. C'est une fiction seulement au niveau des personnages. Le livre est une mise en garde, une anticipation. Les journalistes servent des causes qui les dépassent. Les médias retournent les faits à leur avantage. Les médias ont un prisme de lecture. Ils font un chantage à l'extrême droite et au dérapage latent. L'excommunication sociale. Personne ne veut subir cela. C'est comme cela qu'on bâtit une opinion. Il y a un système de subvention. C'est l'illusion démocratique. Ce monde médiatique ne représente pas du tout la population. Ils étouffent les opinions discordantes et les empêchent d'être à égalité. Il y a un tabou social. Les autres qui les auraient soutenus dénoncent la personne qui dit des vérités comme déviantes. Le choix présidentiel est un conditionnement, car les gens ont tendance à se ranger derrière ceux qui gagnent. Pour arriver au pouvoir, il faut être un psychopathe. Les électeurs ont un enthousiasme de crédulité. Comment protéger son épargne? Car celui-ci ne vaut pas grand-chose. Car il y a des serveurs à l'étranger, donc ce n'est pas tangible. On a confié notre existence à l'État. Il en a le monopole, sinon on a de très gros ennuis. Nous ne sommes pas préparés à l'effondrement. L'État est un dieu jaloux et ne veut pas voir des organisations concurrentielles. Tout est grignoté par l'État. Cet apparent confort va se payer très cher. L'État est un monstre froid, comme le disait Nietzsche. Le conditionnement anti-armes à feu se trompe de logique. Les racailles sont mieux armées et protégées par la loi. Les gens dangereux peuvent avoir beaucoup d'armes. N'importe quelles armes ont des risques d'arriver dans des cités. Les antifas sont importants pour la perpétuation du système. Quand ils sont contre la librairie, ils veulent la détruire, mais ils n'ont aucun problème. C'est le danger du chaos de la violence.
L'on va nous faire croire que ces étudiants sont rebelles alors que ce sont les premières brebis pour les meilleurs postes. C'est un chantage. Il faut arrêter d'abandonner la jeunesse. La probabilité augmente qu'une guerre civile arrive. Les responsables politiques sont menteurs et complètement décalés par rapport à la situation actuelle. Les hommes et les femmes du peuple travaillent et se divertissent à la course à la consommation pour ne pas se suicider. C'est la liberté ou la fierté. Il y a dépeuplement dans les campagnes pour ventiler les populations migrantes. Les bourgeois peuvent y échapper. Les élites veulent briser l'esprit des campagnes réfractaires et atomiser cette unité des campagnes. Les individus préfèrent essuyer les désagréments du vivre ensemble et de garder cette salubrité supérieure pour ne pas jouer les jeux de l'extrême droite. Bref, c'est une inertie morale. Beaucoup de gens qui dénoncent la réalité actuelle sont sacrifiés sur l'autel du vivre ensemble. La justice persiste à récupérer des gens irrécupérables. L'antiracisme est le plus complice de la pédocriminalité, avec des gens qui en ont fait les frais de parler de crimes liés à l'immigration. Il est dangereux de parler d'insécurité car il y a le tabou de l'immigration. Autre source, la vidéo. Livre Guérilla de Laurent Oberton. Laurent Oberton, Guérilla, publié en 2016. Brève biographie de Laurent Oberton. Le Figaro.fr. Laurent Oberton. Le Figaro.fr. L'excommunication. Hérodote.net. Le dictionnaire de l'histoire. Excommunication interdite. Hérodote.net, le conditionnement, universaliste.fr, conditionnement, universaliste.fr, l'État tyrannique, Corinne Pelluchon, la tyrannie de l'État mère, dans Commentaire 2002, barre 2, numéro 98, page 486 à 489, Kern.info, la psychopathie, National Library of Medicine, la psychopathie, l'éclairage des neurosciences médico-légales, publié le 17 avril 2020. ncbi.nlm.nih.gov. La citation de Nietzsche. Le Figaro.fr. Citation de Nietzsche. Even.lefigaro.fr. Qui sont les antifascistes? Le JDD.fr. Qui sont les antifas? Publié le 6 novembre 2020 à 10h31. Mise à jour le 11 mai 2022 à 17h02. Le JDD.fr. Définition de la guerre civile. Perspective monde, guerre civile. Perspective.usherbrook.ca. La course infernale à la consommation. Elisabeth Tissier. Tirette Desbordes. Le cours du temps et la course du consommateur. Dans arrobase la recherche du temps 2018, page 167 à 718. Kern.info. L'antiracisme. Emmanuel Jovellin, Ambiguïté de l'antiracisme dans Le Sociographe, 2011, barre 1, numéro 34, page 25 à 35. Kern.info. Vidéo numéro 122, Info Libre 2, mini-live du 5 octobre, diffusé le 5 octobre 2022. Visionné le 5 octobre 2022. Dans la société moderne, on nous inculque à ne pas juger. Cela ne veut rien dire, car nous avons la source en nous et la capacité de discerner permet d'avancer dans la vie. C'est notre droit de le dire. Aujourd'hui, on a créé une confusion négative, d'avoir une énergie négative envers les gens contre nous. L'univers va nous répondre de manière négative. Il y a l'histoire du veau d'or qui explique que Moïse, qui avant de monter sur le mont Sinaï devant lui, il y avait les tribus d'Israël, et il leur disait d'être fidèles à leur foi. Moïse monta et reçut les tables de la loi. Et lorsqu'il est redescendu, les tribus d'Israël commencèrent à douter. Un certain Dastan doutait du manque de foi. C'est une situation réelle et pas pleinement manifestée. Dastan disait que Moïse était un traître et créa le veau d'or, et les gens allaient l'aduler. Macron et ses ministres ont des cols roulés pour l'économie d'énergie et sont moqués sur les réseaux sociaux. Igor Krasnov a rencontré le président vietnamien pour créer des relations diplomatiques. Un maire dénonce le racket organisé. La Russie et l'Arabie Saoudite vont renforcer leur coopération pétrolière. À l'époque, les USA et l'Arabie Saoudite s'échangeaient des technologies. L'Arabie Saoudite fournissait le pétrole et les USA les soldats. Un poids lourd du ministère de l'économie française emprisonné pour avoir téléchargé
450 000 fichiers pédopornographiques, il y a sûrement des réseaux derrière. Autre source, l'histoire de Moïse sur le mont Sinaï. La Bible, le grand défi, le veau d'or, le grand défi.net, les cols roulés des ministres et la sobriété énergétique, qactu.fr, France, Macron et son col roulé au nom de la sobriété énergétique, moqué sur les réseaux sociaux, Vladimir Poutine, publié le 4 octobre 2022. QActu.fr, relations entre la Russie et le Vietnam. QActu.fr, Vietnam, le procureur général russe Igor Krasnov a rencontré le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc à Hanoï. Un maire dénonce la folie énergétique. Soleilverso.com, augmentation exponentielle du coût de l'énergie. Un maire dénonce un racket organisé et nous invite à réagir. Soleilverso.com, la Russie et l'Arabie Saoudite renforcent leurs liens. BFM TV, Benaouda Abdedaïm. L'Arabie Saoudite et la Russie vont consolider leurs alliances pétrolières. 4 octobre, publié le 4 octobre 2022. BFMTV.com, pédocriminalité au ministère de l'économie. Cheikh Dieng, France, un point lourd du ministère de l'économie, emprisonné pour avoir téléchargé. Ah, c'était. Je me suis trompé. C'était 45 000 fichiers pédopornographiques. Parce que je me suis trompé, j'avais dit 450 000, mais en fait c'était 45 000. Publié le 3 octobre 2022, le courrier du soir.com. Vidéo numéro 123, Sunrise, Isabelle Serpli, élue menacée par des islamistes. Tiret, nouvelle vague numéro 56, visionnée le 5 octobre 2022, diffusée le 4 octobre 2022. Vidéo censurée sur YouTube, disponible sur Odyssée. Isabelle Serpli est une conseillère régionale qui a rallié Reconquête et qui a subi des menaces de mort. Elle a fait de l'activisme contre l'islamisation de la France. Il y a quatre organisations islamistes en France, par exemple des influenceurs islamistes prônant un islam radical. Le ministère de la Culture organisa des journées européennes du patrimoine, notamment autour d'une mosquée islamiste Miligorus, qui est reliée au nationalisme turc. La loi est méconnue, mais elle est de notre côté. Le ministère de l'Intérieur supprima du site la mosquée islamiste car les autorités craignent le scandale médiatique. L'État est un pleutre. Accuser les médias de mensonges, c'est toujours que la vraie réponse est contradictoire à ce que les journalistes veulent mettre en avant. Soi-disant, Isabelle Serpli ne serait pas mise en avant, pourtant c'est l'inverse. L'imam de la mosquée islamiste a été expulsé aux Comores. La protection rapprochée est proposée par l'État seulement. Il y a une incapacité opérationnelle de l'État de protéger contre l'islamisme. Argos est un collectif de jeunes défendant la civilisation européenne. Il y a une volonté de tirer les gens vers le haut, vers l'élitisme, avec par exemple des activités physiques pour les dépassements de soi et des cercles de lecture et des conférences. Argos, c'est la référence à la Grèce antique. C'est l'équipage qui va accompagner Jason dans la quête de la toison d'or. C'est une jeunesse enracinée et formée. Jean Garrigue, c'est un ormi-gauchiste qui commence à comprendre, comme tout le monde, qu'il faut prendre des pincettes et donc il y a une prise de conscience générale. Le film français est un hebdo du monde du cinéma et qui avait publié un intitulé qui s'appelait « Le cinéma français est-il raciste? » car la couverture est 100% blanche et masculine. Le journaliste, c'est le journal, s'est par la suite excusé. Le gauchisme est une maladie mentale. Tout le monde est suspecté et déviant. C'est le retour de la terreur. Les gens s'indignent car on leur dit de s'indigner. Le gauchisme est une pulsion de ressentiment et de la violence. Et selon eux, il faut du sang et les excuses ne suffisent pas. Près de 40% des collégiens de troisième secondaire sont découragés de lire une page d'un bouquin. D'ici 20 ans, la moitié des enfants seront des extra-européens et la société s'effondrera et ce sera la victoire du gauchisme. Le gauchisme veut la culture racaille, la fin de l'autorité au lieu de faire rêver la jeunesse. Le gauchisme met en avant le fait d'être youtubeur. Toutes les solutions viennent de la droite. La réémigration, l'autorité, l'excellence et promouvoir la lecture et le sport. Les gauchistes nous hurlent dessus quand on parle d'islamo-gauchisme et ils nient la réalité. Pourtant, ils ne se gênent pas pour traiter les autres de fascistes. Quand les gens critiquent la religion catholique, c'est comme s'ils crachent sur leurs grands-parents
et nos ancêtres. On peut certes la critiquer, mais avec respect. Personne ne parle de dinguerie des musulmans ou de la religion vaudou. Il faut montrer aux Français les zones remplacées pour montrer ce que pourrait être la France. Nos élites veulent la guerre. Le seul camp à défendre, c'est celui de la paix. La guerre s'éternise, on ne doit pas s'entretuer entre Européens. Autre source, la vidéo. Journée du patrimoine controversée. Le Figaro, une mosquée affiliée à Miligorus, retirée des journées européennes du patrimoine. Publié le 13 septembre 2022 à 8h12, mise à jour le 13 septembre 2022 à 23h10. Lefigaro.fr. L'imam radical expulsé aux Comores. Timecode 16 minutes. F2Souche.com. L'imam de Saint-Charmont, 42, et son épouse expulsée vers les Comores suite à des propos discriminants. Mise à jour. L'ambassade des Comores déclare ne pas avoir déclare ne pas pouvoir soutenir un imam qui prône une idéologie sectaire. Publié le 11 mai 2022. F2Souche.com. Mythologie d'Argos. Histoire du monde.net. Argos. Publié le 14 avril 2007. Histoire du monde.net. Le collectif Argos. ArgosFrance.org. Argos. ArgosFrance.org. Jean Garrigue, le gauchiste. Timecode, 57 minutes et 23 secondes. Le gauchisme au cinéma. Timecode, 1 minute, 1 heure, 1 minute et 9 secondes. Audrey Diwan, si on vous gêne, n'hésitez pas à le dire. Publié le 30 septembre 2022 à 10h46. Twitter.com. La jeunesse française en péril. Timecode, 1 heure, 6 minutes, 45 secondes. COBA, niveau des élèves en français. Près de 40% des collégiens de troisième se disent découragés d'avance à l'idée de lire un texte d'une page. Publié le 30 septembre 2022 à 11h52. F2Souche.com. Vidéo numéro 124. En fait, je me suis trompé. Quand j'avais dit, c'était les élèves de troisième secondaire, mais en Belgique, la troisième en France, c'est l'équivalent des quatrièmes secondaires. Je me suis trompé. Vidéo numéro 124, Info Libre 2, mini-live du 6 octobre, diffusé le 6 octobre 2022, visionné le 7 octobre 2022. Le PDG de la société Connec, qui vendit le logiciel Polychiffre pour les élections, a été arrêté et a stocké les données électorales des travailleurs en Chine, comme les scandales avec le logiciel Dominion. Un officiel français a témoigné que la France a soutenu le génocide rwandais. La Chine veut reconnaître la composition des vaccins Moderna. Quand les gens arrivent au pouvoir, malgré les fraudes, soit ils sont fous, soit ils ont été infiltrés par l'Alliance. Il ne faut pas rentrer dans le mortifère. La Russie renvoie du Mali les Français. Les réserves de la France sont pleines, annonce la Commission de régulation de l'énergie. Il faut prendre de la distance par rapport au narratif. Autre source, arrestation du PDG. Du PDG de Connec. Stuart.1.Thompson. Election Software Executive Arrested on Suspicion of Theft. Publié le 4 octobre 2022. NewYorkTimes.com. QActu.fr. USA. Suite. Un énorme coup de tonnerre. Le PDG de la société Connec, qui vend le logiciel Polychiffre pour les élections, est arrêté. Il est accusé d'avoir stocké les données personnelles des travailleurs électoraux sur des serveurs en Chine. Publié le 5 octobre 2022, QActu.fr. Révélation sur le génocide du Rwanda. QActu.fr. Rwanda, révélation, mission turquoise. Nous avons livré des camions d'armes aux génocidaires sur l'ordre de l'Élysée. Un officiel français témoigne qu'ils étaient complices du génocide rwandais. Publié le 5 octobre 2022, QActu.fr. Turquoise, nous avons livré des. Non, ça c'était l'adresse internet. La corruption des vaccins, la composition des vaccins Moderna. L'ENA, Andriamparani. La Chine refuse d'acheter le vaccin Moderna sans connaître sa composition. Publié le 4 octobre 2022, le courrier des stratèges.fr. Le renvoi des Français du Mali.
Le Monde, Mali. Vladimir Poutine évoque l'envoi d'engrais lors d'un appel avec le chef de la junte, publié le 5 octobre 2022 à 10h08, modifié le 5 octobre 2022 à 10h11. Lemonde.fr. Les réserves de gaz en France sont pleines. France Info. Les réserves françaises de gaz en prévision de l'hiver sont pleines, annonce la Commission de régulation de l'énergie. Publié le 5 octobre 2022 à 9h05. Mise à jour le 5 octobre 2022 à 10h28. Franceinfo.fr. Vidéo numéro 125. Info Libre 2. Minelive du 7 octobre. Diffusé le 7 octobre 2022. Visionné le 7 octobre 2022. Les tensions aux USA entre démocrates augmentent. Elon Musk. Les habitants de l'est de l'Ukraine sont russes. Le chef du Kremlin parle d'un état de fait. Autre source. Les tensions entre les démocrates s'accentuent. QActu.fr, USA, vous êtes stupides, les démocrates connaissent une année tendue. Des législateurs ont failli en venir aux mains en cours de discussions animées, disent certains démocrates au Washington Post, publié le 5 octobre 2022. QActu.fr, Elon Musk et la Russie. Sputnik News.Africa, le Kremlin réagit aux propos d'Elon Musk. Pour qui l'Est de l'Ukraine préfère la Russie, publié le 6 octobre 2022. À 17h09, mise à jour le 6 octobre 2022 à 17h10. Sputniknews.Africa. Voilà. J'ai terminé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.